Bonjour, nous sommes en direct du tapage chez monsieur Christian Dorseuil, éleveur de coq carri. Bonjour monsieur Dorseuil. Bonjour madame. Il embrasse pas rien alors. Dans ma gueule trop vilain. Allez, va des jolies. Votre gueule paraît mon boyau maintenant. Bref. Quel boulot vous faites monsieur Dorseuil? Mon RSA professionnel. Il veut dire on a 20 ans mon RSA. Il m'y connaît toutes les ficelles dans le métier. C'est pour ça moi c'est un professionnel en dedans là. Bon, là, je me présente à votre une poule aiguiti. C'est joli, petit, hein. Est-ce que c'est tous ces petits? Non, pas tous ces petits. Il y en a trois dans l'air de maman. Tu vois, pas tous les petits vieux, quoi. Au moment où ils font le jeu, ben, je peux pas être de maman. Ben, arrête de n'importe quoi. Là, par exemple, là, on enferme 5 petits corps. Là, puis il y a place dans le fond. Moi, je vais mettre là, la jolie barbine, tout dedans, hein. Monsieur Dorseuil, ben, pourquoi les avoir enfermés? Parce que les petits coqs, les à moi, hein, moi, ma case, moi, ben, mes fils, ça me veut, ben, c'est mon porc santé, quoi encore? Monsieur Dorseuil, je vois que vous avez une belle vue. Oui, la vue est pas finale, lui, mais je veux dire, en quelque sorte, il en gâte pas aussi, mon joli visage, ou animaux, animaux, quand on a foutu avec la vue, derrière. Monsieur Dorseuil, avant que je parte, serait possible d'avoir un petit carré de bread? Non, ben les bread chouchou, ils viennent sur le fatigue, hein, ils font miguer en part d'un haut et c'est déjà fait les placer aussi. Peut-être à 3-4 euros, ils font un petit bouquet, moi, pas plus que ça, oui. À côté de mes 2-3 coques bâtons, coques carrés, moi, pour faire, mais ils font un peu de canon. Dedans, voilà, dans mon porc, ils mettent un peu de canon, pour ça, pour moi, manger, hein. C'est normal qu'ils soient sales comme ça, gommés de boue? Ben la boue, c'est la faute d'Emmanuel Macron, hein. Pourquoi la faute d'Emmanuel Macron? Ben, dit que pas moi, ben, il faut bien m'y mettre la faute, c'est un monde, ben, m'y mettre chez Emmanuel Macron, tout, façon, tout ça y arrive, c'est sa faute, ben, chien. Là, par exemple, on a un coq, il est en plumage. Pourquoi est-ce qu'il est en plumage? Ben, mon est humain, le coq est devant tout, petit monde à moi. Ben, parce qu'il a décidé de faire ses plumes, c'est-à-dire, il a décidé de faire une retraite. Mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on fait rien, il est même pour qu'on galop, il est même pour qu'on essaye le corps. Là, il commence plus mal. Là, il s'est obligé d'attendre son plus mal. Quand il est fini, pour m'a donné galop. Mais mince, c'est un corps. Là, par exemple, c'est un corps qui m'a fini de donner deux galops. D'autres choses, je ne connais pas. Le bouton de rien, il est dans la tête. S'il est si bon que ça, pourquoi vous l'emmenez pas au rond? Ben, disons, moi, je vais le transformer, pour le rond, moi, je vais le rejoindre non plus. Et la peur va couler non plus, là, oui. Et je vais dire, ouais, plutôt pour une transforme, il voit, ben. Là, c'est la place où on enferme mes jeunes coqs. Oui, mais on dirait qu'il y a deux poules dedans. Non, mais. Si mes coqs, on ne va pas dire encore qu'il y a une poule là-dedans, là, tu vois. On ne peut pas la chasser, mes poules, là. Ça peut être la chasse, quoi, là. Voilà, ça, c'est mon porc cabri. Il vient de finir à ranger là. C'est normal qu'il n'y a pas de cabri à l'intérieur? Non, ben les cabris là, n'a pas de cabri là, on n'a pas habituellement le porc là. Il faut lui comprendre comment le porc il est. Après, on va voir s'il met de cabri dedans. Déjà, il faut savoir dans la même place de travail. Après, on va voir s'il y a fait des cabris. Il faut lui trouver le travail avant. Ça, c'est un coq. Moi, je paye cher ce coq là. Moi, je paye 8000 euros. Il y a 3 ans, moi, je paye. Il y a 3 ans, ils ont plus mal. Le plus mal jamais fini. Moi, j'ai fait un prêt, toute pochette de ce coquin. Mais que même pas sur le coquin beau, ben, moi, j'ai jamais vu bataille. Mais par contre, la couleur, joli. La couleur sur moi, vaut 8000 euros, regarde ça. Ça, c'est un joli coq. Regarde la couleur, hein, la couleur sur moi est rare. Ça, c'est un coq, par contre, on paye cher. On paye ça 13000 euros. 13000 euros. Vois comment on paye le bourrin. T'as envie de pleurer ou non? Parce que t'es pas trop bon de mettre son corps. Un cas. Là, on a 4 jeunes coqs. 4 jeunes coqs enfermés dans les ports. Et bien croisés. Hein. Ah non, on peut dire aussi bien croisés. Là, au moment des 4 jeunes coqs, ils tombent Miss France. Vous dites ça, on dirait bien croisés. Là, ils voudraient changer les 4 jeunes coqs pour un bout de terrain. Un petit bout de terrain dans les hauts, un terrain agricole, on va aller avec ça. Hein. Si vous donnez 30 euros, toi, me donne ici, là, nous dans mon deuxième porte-canon. Regarde comment les canons sont sales.
Il fait 2 ans, moins de monde la commune, 15 camions de tournant et 3 tonnes de sac ciment. Là, jamais dans le moins. Moi, je parle avec Donne. Oui, oui. On pose un béton dans la zone là, avec. Encore comment quand on est sale là, c'est quand on peut marier d'une mort. Et c'est moi la mort. Bon, monsieur Dorseuil, nous arrivons au terme de notre reportage. Je vous remercie de nous avoir fait connaître votre élevage de coq carri. Bah, c'est moi qui remercie à vous. Là, on va se perdre dans mon après-midi. Moi, pas bien, rien là-dedans, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous n'oublierez pas mon petit carré de bret chouchou. Non, les bret chouchou, elles sont manquées. Oui, un petit peu, toi, tu n'as pas compris de là. Ma bête, les bret chouchou, moi, je suis fatigué, pas donné. Ah, moi, bon, que attends, ma colle, quand vous faites carré avec, bête à merde. Qu'est-ce pas grave. Si tu es rapide dans le monde, tu n'es pas pour farouche, oui, les corées farouches. Bête à merde, farouche. Bon, bah, monsieur Dorseuil, au revoir. Mais je trouve que vous êtes un petit peu radin. Ben, je suis vraiment un petit peu radin, mais fais un porc, soigne un peu, j'y vais, nanana!